Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, vous savez pourquoi, je travaille trop. Petite update et puis après je vous dis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Rien de grave d'ailleurs, il est en train de pleuvoir depuis hier. Donc il fait froid du coup. Là il est 9h, je cours vite fait à ma banque. Aujourd'hui, ça ferme trop tôt, à 12h, donc je dois retirer un peu d'argent et déposer un peu d'argent. Donc je vais aller vite fait parce que mon mari, il va utiliser ma voiture, à 10h. Et là, il est 9h, il doit aller au travail à 10h. Mais déjà, c'est pas loin, donc je serai là dans peut-être 2 minutes. Il y a un souci, sinon nous allons très bien, sauf que mes enfants étaient malades. Vous savez que Nasser était malade d'abord auparavant. Et maintenant, Samir, qui a trop souffert d'air, il a trop maigri, vous ne savez pas. Et voilà. Mais maintenant, ça va mieux. Il est là. On a retourné à la crèche. On a fait 4 jours à la maison. Donc, c'était pas vraiment de la blague. Depuis le jeudi passé jusqu'au mercredi. Ouais, plus le week-end et tout, ça fait 4 jours. C'était pas de la blague. Monsieur, il pleurait du jour au lendemain. Parce qu'il avait... rashes, je sais pas comment on appelle ça en français non plus, en swahili, on appelle ça kubabuka, yeah. En swahili, on appelle ça kubabuka, donc il avait aussi la diarrhée, tout ce qui va avec, donc j'arrive pas à comprendre, les enfants depuis qu'ils ont commencé la crèche, il y a trop de petites maladies et tout, mais après on se dit que c'est le changement de la saison, so, voyons voir après, hein. Mais là ça va, en tout cas on est là, donc voilà. Moi, perso, je veux bien. C'est juste que, en tout cas, quand les enfants sont malades, c'est autre chose. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pleuré aussi. Ne me voyez pas comme ça, j'ai pleuré. Mais après, ma mère au téléphone H24 pour m'aider. D'ailleurs, merci à Docile aussi. C'est une de mes abonnées de tous les temps qui m'aide. En tout cas, elle m'a aidé aussi. Ouh, c'était chaud. En fait, merci pour vos demandes. Genre, comment je vais? Pourquoi je ne pense plus? En tout cas, ça me va droit au cœur. Il y a Sephora, il y a Docile. Ça cesse jamais de demander. C'est vraiment une très bonne connexion entre nous. Donc voilà. Là, je cours. J'ai déjà lavé les enfants. J'ai laissé les enfants qui sont déjà lavés. J'ai fait ça hors caméra. D'ailleurs, mon tripod est arrivé. Donc, je serai bien aujourd'hui. Je vous rattrape dès que je suis à la maison. Voilou, voilou. T'es bon. T'es bon, cœur. C'est un assis. Il a mangé un peu. Après, il est en train de prendre des snacks. C'est toujours des yogurts, melt, banana, vanilla. Et son frère qui est là. C'est son frère est là, mais Samir. Samir. Lui là, avec la télé, c'est autre chose. Et moi, je suis là. So, yeah. Yeah, je suis là. Yami. Il aime trop les petits trucs. Il mange bien. Go. Yeah. J'ai de nouveau encore acheté. What? J'ai de nouveau encore acheté mon tripod. Espérons que je vais bien garder. Un tout petit peu trop loin. Parce que ses enfants, Samir, il est en train de regarder. Il est en train d'exploiter comment il va toucher encore. Peut-être que ça fait la 7e fois que j'achète. Alright, so je vais commencer l'arrangement. Mon salon, c'est un bazar. La chambre de Samir aussi. Et même ma cuisine aujourd'hui, c'est. Bon. Walou.
ont fini de prendre leur snack. C'est l'heure de prendre du jus, de fruits et de cire. C'est bon? Yeah. Et son frère qui est là. Donc voilà. De retour à la maison, il est déjà 21h. Franchement, ce bouton-là ne me plaît pas. Ça fait trop mal. En tout cas, je dois gérer ça ce soir. Demain, j'ai église. So, on a Sir qui dort dans son car seat. Il y a Samir qui est là. On a acheté des diapers. Je vais vous montrer les repas d'aujourd'hui. On n'a pas pu acheter sur Wendy's. Donc, on s'est pris du pizza. On va prendre la pizza aujourd'hui. Quoi d'autre? Chicken buffalo. Et puis, à boire. Je pense qu'on va prendre de coca et tout. Aujourd'hui, j'ai la flemme de cuisiner, genre. Et demain, c'est un grand jour. Disons, c'est le 1er octobre. Donc, je dois faire du grocery shopping. I hope je vais filmer, je vous ramène avec moi. Mais c'est un peu ça, je vous montre ce qu'on va manger. Et après, je clôture la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, voilà. En même temps, on a serré là. Il est très confortable. Surtout quand on vient à la maison, il peut dormir là-bas pour une heure encore. Et je n'ai pas envie de le déranger. Ça m'arrive trop souvent, trop rarement plutôt, de réveiller l'enfant. C'est dur. Il est confortable là-bas. Donc voilà. So, voilà. Franchement, on va se régaler. Ça, c'est pour mon mari. Il aime trop les légumes et tout. Donc, c'est la base des champignons, des olives et des tomates, oignons. Je pense qu'ils ont mis un peu de trucs épinards. On s'est pris des petits poulets. Et moi, j'aime beaucoup avec quoi déjà? Pizza, mozzarella, cheese. C'est trop, trop, trop bon. Ah, j'aime trop, je vais me régaler. Mais après, vous allez voir, je vais manger un ou deux par... Donc voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, ça faisait trop longtemps. Demain, je vais poster une nouvelle vidéo sur mon. Je vais voir ça, dépend de comment je vais me réveiller. En même temps, je suis trop fatiguée. Ne me voyez pas comme ça. J'ai pas encore très bien dormi. Je vais manger, me forcer à dormir. Je me lave pour dormir. I hope you're enjoying this video. Make sure you give it a thumbs up. Subscribe on my YouTube channel for more videos. Oh my gosh. Mon bouton des stress ou quoi? Je suis pas stressée, hein? Love you all, Jesus love you. I know it's so good in my next one. Peace.